Aujourd'hui, le Tout-Puissant a un message unique pour vous. Bientôt, vous aurez des rêves captivants qui vont vous surprendre. Vous découvrirez quelque chose que vous n'aviez jamais imaginé. Dieu transmet quelque chose de crucial pour vous, il est temps de maintenir une distance et d'empêcher une personne spécifique de revenir dans votre vie. Son nom sera révélé au moment opportun. Votre connexion avec la conscience des anges a apporté un message céleste. Si vous croyez que la conscience divine vous protège et vous guide, abonnez-vous à notre chaîne. Cela illustre le célèbre dicton selon lequel les personnes fausses sont comme des bulles de savon, qui éclatent lorsque le soleil brille intensément. Cette personne agissait comme un caméléon, changeant toujours d'apparence et l'utilisant pour vous tendre des pièges. Je comprends que cela puisse être difficile à entendre, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Tapez « ange » dans les commentaires pour vous connecter à votre ange gardien. C'est vraiment nécessaire. Dieu est à vos côtés et souhaite protéger votre cœur et votre vie de toute douleur ou déception. Faites confiance à son orientation et suivez l'amour dans sa voie. Il est temps de vous libérer des liens que cette personne a créés autour de vous. Permettez-vous de trouver la paix et le bonheur que vous méritez. Dieu réserve des plans incroyables pour votre avenir et éliminera tout obstacle à l'atteinte de votre plein potentiel. Ayez du courage, faites confiance à Dieu et sachez qu'il ouvre un chemin lumineux pour vous. Tapez 1111 si vous croyez. Son amour est inconditionnel, sa protection est infaillible. Bientôt, vous trouverez la clarté et la liberté que vous désirez. Gardez espoir et considérez les choses extraordinaires qui vous sont réservées. Quant à cette personne en qui vous avez placé votre confiance, elle a été comme un membre de votre propre famille, toujours présente dans votre vie et votre foyer. Vous lui avez toujours ouvert votre cœur, partageant vos émotions les plus profondes, mais malheureusement, elle a abusé de cette confiance. Cette personne, que vous considériez proche et chère, vous a trahi dans l'ombre. Il est difficile de croire qu'une personne qui a partagé tant de moments spéciaux pourrait être capable d'une telle trahison. Même au sein de votre cercle familial, elle a tenté de vous nuire subtilement et de manière calculée. Malgré toute sa ruse, tous ses efforts ont été vains. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, la vérité trouve toujours son chemin et le vrai visage de cette personne sera révélé. Tapez « Je le mérite » pour manifester. Restez fort et ayez confiance en la justice qui prévaudra au moment opportun. Il est naturel de se sentir blessé et trahi, mais ne laissez pas cette expérience négative définir qui vous êtes. Vous êtes une personne incroyable, pleine d'amour et de bonté à offrir au monde. Ne laissez pas cette trahison éteindre votre lumière intérieure. Trouvez du réconfort auprès de ceux qui se soucient vraiment de vous, qui sont à vos côtés dans les bons et les mauvais moments. Ensemble, vous surmonterez tous les obstacles et construirez une base solide d'amour et de confiance. Souvenez-vous que la vie est un voyage d'apprentissage et que cette expérience douloureuse est une opportunité pour grandir et se renforcer. Ne laissez pas cette personne vous abattre, au contraire, relevez-vous avec encore plus de détermination et prouvez-vous que vous pouvez surmonter tous les défis. Tapez 222 si vous croyez au miracle de Dieu. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », car ainsi ce message parviendra au plus grand nombre de personnes possible, cela nous aide énormément. Vous méritez d'avoir autour de vous des personnes authentiques et sincères, qui apprécient votre authenticité. Ne laissez pas cette déception obscurcir la beauté et l'amour qui vous entourent. Gardez confiance en le pouvoir de l'amour et en votre capacité à guérir. Vous êtes plus résistant que vous ne l'imaginez et vous vous libérerez bientôt des griffes de cette trahison. Vous trouverez une paix et un bonheur authentique. Vous méritez un avenir brillant, rempli de personnes authentiques et de relations vraies. Ne laissez pas cette personne voler votre espoir. Avancez avec courage et détermination, car votre histoire réserve encore de nombreux chapitres incroyables. Cette personne cherche à vous voler le bonheur que vous partagez avec votre famille. Elle est obsédée par votre mode de vie et par la façon dont vous rassemblez tout le monde avec amour. Bien qu'il n'ait jamais prêté attention aux choses malhonnêtes et cruelles qu'ils ont faites, vous avez ouvert votre cœur et partagé vos problèmes avec eux. Cependant, ils utilisent ces informations contre vous, vous plaçant dans des situations encore plus difficiles. Ils ont essayé de créer des conflits au sein de votre propre famille, mais n'ont jamais réussi.
vous êtes une personne aimante, qui place la famille au premier plan et est prête à aller au-delà des limites lorsque quelque chose vous blesse. Votre âme est généreuse et vous croyez en Dieu. Vous trouvez toujours un sens positif à tout ce qui arrive. Votre foi, votre confiance et le pouvoir divin deviennent votre bouclier protecteur contre toutes les préoccupations et difficultés. Dieu a entendu vos prières sincères et vos paroles ont été accueillies par le puissant Créateur. Désormais, vous pouvez laisser toutes vos inquiétudes derrière vous, car Dieu marchera avec vous à chaque étape de votre vie. Il sera là pour vous aider à surmonter tous les défis qui se présenteront sur votre chemin. Trouvez du réconfort et sachez que le Tout-Puissant a prévu des plans merveilleux pour vous et pour votre bien-aimée famille. Bientôt, vous recevrez un message spécial qui vous fournira des orientations précises et le moment parfait pour avancer. Ayez une confiance totale en l'amour divin et en la protection. Votre immense passion, l'amour et les soins que vous consacrez à chaque membre de votre famille ont touché le cœur de Dieu d'une manière unique. Bientôt, vous découvrirez qui sont les vraies personnes autour de vous, mais, quelle que soit la situation, sachez que vous ne serez jamais seul, car vous aurez la puissance de Dieu à vos côtés. Il sera votre guide constant, vous aidant à prendre les bonnes décisions et vous montrant la bonne direction, peu importe à quel point le chemin est difficile. Tapez 222 pour manifester les bénédictions du Créateur. Souvenez-vous que l'amour divin et la protection seront toujours présents, vous enveloppant d'une étreinte chaleureuse dans ce moment spécial qui vous attend. Préparez-vous à vivre un bonheur indescriptible, des opportunités incroyables et une série d'événements qui façonneront votre avenir. Un lien plus profond se créera entre vous et vos proches, étendant l'amour et les soins à tous les membres de la famille. Désormais, votre famille sera votre plus grand soutien dans la recherche de l'excellence. Vous serez béni par des opportunités précieuses et le soutien nécessaire pour avancer avec la grâce divine. Le flux financier se multipliera et votre situation économique se stabilisera, apportant une nouvelle source de revenus sur votre chemin. La bénédiction de la stabilité financière sera avec vous et les éléments essentiels de votre vie ne manqueront jamais. Ouvrez votre cœur à cette bénédiction et préparez-vous à vivre une nouvelle réalité pleine de prospérité. Vous serez au sommet de votre forme physique, renforcé mentalement et prêt à affronter tout défi qui se présentera sur votre chemin. Votre confiance sera renforcée et vous vous efforcerez de devenir la meilleure version de vous-même à chaque étape du voyage. Dieu sera à vos côtés, vous guidant, vous aidant et vous protégeant dans toutes les situations. Ayez foi en la puissance divine, car elle ouvrira les portes de la sagesse, de l'amour, de la prospérité, de la confiance et du bonheur. L'abondance, le courage, les opportunités et la paix seront à votre portée, vous renforçant et vous permettant de prendre le contrôle de votre propre vie. Préparez-vous à recevoir ces incroyables bénédictions. Déclarez maintenant, « Je suis prêt à accepter toutes les bénédictions qui me sont destinées. » Ouvrez votre cœur et préparez-vous à une véritable et extraordinaire transformation. Trouvez du réconfort, vous ne serez pas honteux, tout se passera bien. Je n'abandonne pas ceux que j'aime. Personne ne peut rire de vous ou se moquer de vous, je ne le permettrai pas. Ceux qui luttent contre vous luttent contre moi. Ne vous inquiétez pas, votre vie n'est pas en danger. Soyez prudent et ne répondez pas à vos ennemis comme ils l'espèrent. Ils vous provoquent avec leur manigance pour vous faire tomber. S'ils vous menacent, s'ils crient après vous, s'ils complotent avec d'autres pour vous nuire, venez vous agenouiller devant moi. Votre prière de foi peut accomplir beaucoup. Si vous devez prendre une décision, consultez-moi. Si vous craignez pour votre avenir, souvenez-vous que je tiens votre destin et celui de votre famille entre mes mains. Je prendrai toujours soin de vous et personne ne pourra vous toucher. Soyez fort et courageux et lorsque vous vous sentirez acculé, ne laissez pas la peur vous convaincre. Ne vous laissez pas dominer par vos sentiments, beaucoup d'émotions vous trompent. Je vous ai déjà dit maintes fois que vous êtes très précieux pour moi. Dans les moments les plus difficiles de vos luttes, souvenez-vous toujours de cela, vous êtes très important pour moi, plus précieux que des millions de diamants. Il n'y a rien dans le monde matériel qui puisse être comparé à la valeur que vous avez pour moi. Faites confiance en vous-même et acceptez qui vous êtes, mon cher fils, racheté, purifié et transformé. Même si l'ennemi essaie de ramener les tourments du passé avec ses accusations et ses flèches flamboyantes, sachez que vos erreurs et péchés ont été pardonnés et oubliés par moi.
Personne n'a le droit de vous pointer du doigt, peu importe qui, car tout a été pardonné. Croyez en mes paroles, restez ferme dans votre foi. Même si vous vous sentez seul, sachez que vous m'avez à vos côtés, faites-moi confiance ainsi qu'à mon amour pour vous. Aucun défi n'est impossible, aucun obstacle insurmontable si vous avez confiance en moi. Rien ni personne ne peut vous empêcher de suivre mes voies, mes commandements et mes plans pour votre vie. Rien ne peut empêcher la réalisation de vos rêves. Tout ce que j'ai prévu pour vous se concrétisera. L'ennemi tentera de vous effrayer et de vous affaiblir, mais en affrontant ses attaques, vous deviendrez plus fort. Je vous donnerai du courage et de la bravoure. Vous resterez courageux comme vous l'avez toujours été et, à la fin, vous émergerez victorieux face à l'adversité. Souvenez-vous, l'ennemi tentera de vous faire douter de mon amour pour vous, mais rien ne peut changer cela. Gardez votre esprit clair et sincère. Tout ce que vous rencontrerez sur votre chemin travaillera pour votre bien. Avec mon aide et ma puissance, je vous bénirai et vous élèverai à un nouveau niveau, à un endroit où ma présence rend tout possible et beau. Votre santé se renforcera, des portes s'ouvriront et vos problèmes trouveront solution, mais vous devez croire en moi et me permettre d'agir selon ma volonté. J'attends vos prières. En relisant mes promesses, quand vous vous agenouillez, affirmez avec ferveur que vous croyez de tout votre cœur que tout ce que je vous ai dit et promis se réalisera exactement comme annoncé. Cette crise passera, mes promesses seront tenues. Le ciel et la terre peuvent disparaître, mais ma parole est éternelle. Mes plans sont pour votre bien, tout ce que je vous donne est pour votre prospérité, votre esprit et votre âme, pour votre santé et vos affaires familiales. Avec vos propres yeux, vous verrez mes bénédictions briller intensément au cœur de votre foyer. Vous et votre famille les reconnaîtrez et en serez reconnaissants. Louez-moi, adorez-moi de tout votre être. C'est le moment, car vous êtes mon cher fils, courageux de cœur, un guerrier d'esprit, avec force et feu dans votre âme, tout ce dont vous avez besoin pour surmonter toute adversité. Soyez attentifs aux soucis qui vous accablent, ils ne disparaîtront pas si vous les évitez. Vous devez les affronter, car vous êtes fort, et cette lutte est vitale. Si je ne pensais pas que vous pourriez le faire, je ne vous le dirais pas. En écoutant mes paroles dans votre cœur, sachez que je confirme tout ce que je vous ai déjà dit auparavant. Je vous l'ai répété à maintes reprises, et je continuerai à le faire. Rien ni personne ne peut vous vaincre. L'ennemi utilisera ses artifices quotidiennement pour vous dérouter et vous faire penser que je vous ai abandonné lorsque les choses ne vont pas bien. Au contraire, je suis avec vous le matin et toujours à vos côtés le soir. Je marche avec vous dans vos moments de joie et de tristesse, dans vos moments de louange et dans vos apparentes défaites. C'est dans ces moments que je vous tiens plus fort et tente de vous montrer à quel point je vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous parle et vous cherche, c'est pourquoi je suis ici, toujours en train de vous encourager à ne pas douter, craindre ou être confus face aux difficultés constantes de ce monde qui vous blesse. Souvenez-vous, réfléchissez calmement, croyez en ce monde que j'ai conquis et vous ai donné de puissants outils. Mon amour, votre espoir réside toujours dans mon amour. Votre foi remplit votre âme et votre esprit d'espoir. Utilisez votre foi comme un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Viendra un jour où vous laisserez derrière vous beaucoup de vos tourments et vous verrez comment vous avez surmonté de nombreuses situations et reçu de nombreuses bénédictions que vous pensiez avoir perdues. Vous comprendrez la grandeur de ma grâce, l'étendue de ma miséricorde et combien mon amour pour vous est infini. Malgré toutes vos erreurs, je serai là pour vous encourager, vous revigorer et vous bénir d'une manière telle que vous ne douterez jamais de mon amour pour vous. Regardez devant avec foi, surmontez les tempêtes de mensonges que vous trouverez sur votre chemin avec confiance. Ne regardez pas sur les côtés, ne vous laissez pas distraire, ne remplissez pas votre esprit de choses sans importance pour votre avenir. Concentrez-vous sur moi, persistez à croire fermement en moi. Apprenez de ma parole, veillez sur votre famille pour que ma présence soit la priorité dans votre foyer et dans votre vie. Bientôt, vous recevrez une grande bénédiction, croyez Y, car elle se réalisera. Amen. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le sur WhatsApp avec tous ceux que vous aimez.